Palace, le Marny, j'y suis jamais allé, mais j'y suis allé. Le Marny, et je me souviens. Je suis allé voir la jument verte. Tu n'as jamais entendu parler, avant l'église, à la fin de la messe, les films interdits par l'église, le curé disait ça, les films recommandés et les films à voir. Alors il citait tous les films, et alors, la jument verte, interdit et banni de tous les cieux, bien sûr. Et alors, tous les enfants de cœur ont été voir la jument verte, du fait qu'on nous disait qu'il fallait voir. Puis non, il y en a encore un autre, l'ABC. Oui. Rue Paul Doumer en face de l'Empire. Ah oui, il y a des ventes maintenant. Ah ouais, ouais. Moi j'ai été voir jouer le cardinal à l'ABC. Bon, celui-là, je ne l'ai pas connu. En 70, il existait. Je cherchais à déambuler à travers les ruines des salles obscures, marcher dans les cendres, encore chaudes pour certaines, de ces anciens cinémas où se consumèrent avec une incroyable ardeur nos émotions et le temps. Le temps qui bâtit des refuges pour nos rêves, ceux de nos pères, et qui les détruisit dans le même instant. Le Havre, par le passé, jouissait d'une forte densité de salles de cinéma qui, au dire de nos anciens, étaient fort fréquentées. Aujourd'hui, ma génération et celles qui suivront ne connaîtront plus le Havre comme ville cinéma. Que nous reste-t-il maintenant? Il ne reste que la mémoire de nos parents, de nos grands-parents, de nos aînés. Les gens allaient au cinéma pour se distraire. Une sortie. Ils allaient au cinéma. Alors que maintenant, les gens sont plutôt cinéphiles, ils vont voir un film. Laurent ? Oui. Et comme ils marchaient à pied, il n'y avait pas besoin à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin d'après son voiture et tout le monde allait à pied. Nous, on habitait à côté du boulevard de Graville, étant gamin, puis on allait à Saint-Thomas, quoi, je te dis. J'allais foncer. Ensuite, il y a eu l'Éden au rond-point. Oui. Qui est maintenant le grand magasin. Oui, Tati. Maintenant, Tati. Aujourd'hui, c'est Tati. Oui. Quand tu regardes en haut, la cabine est encore à l'extérieur. Elle est restée. Ah oui? Et tu regardes en passant, hein, la cabine est toujours restée. J'ai découvert que non loin de chez moi existait encore la salle de cinéma de Bléville, dont le gardien, Michel Lauvray, était un ami proche. Je partis donc avec lui faire une petite balade en amnésie. Là, c'était l'accès au balcon et aux locaux du cinéma. Ça a peut-être pas d'intérêt pour toi, si. Et là, voilà le fameux appareil. L'appareil de cinéma. Alors forcément aujourd'hui ça paraît être un machin de la guerre 14 quoi. Mais c'est vrai que c'est un appareil qui a bien marché. Alors là c'était le local. Celui-ci qui s'y connaît va dire oh là c'est vieux ça. Les actualités, le journal éclair. Voilà, c'est quelques bobines qu'on a là. Je ne sais pas ce que c'est comme film, mais ça, c'est un film. Hein. Mais quand on réfléchit bien, c'est une fortune d'avoir tout ça, parce que c'est des vieux films. Mon paquet de documents. Voilà, très beau film ça. Très beau celui-là, le Rio Grande. Bon, enfin, tu t'es pas dérangé pour rien, Simon. Ah, non. Alors là. Fin Rubik, ça me dit rien. Je cherchais à déambuler à travers le cinéma, tel Salvatore dans le cinéma Paradiso,
Mais pourquoi ? À quoi bon chercher des racines là où je n'en ai pas ? Je ne connais pas ce patrimoine. Il ne m'appartient pas. Il appartient à ceux qui, au moins une fois dans leur vie, au fond de leurs yeux, ont eu cette flamme de la magie du cinéma. Ce patrimoine était néanmoins condamné à disparaître. Ça s'est produit là, d'un seul coup, juste au, surtout au début de la série, quand même, les gens ont beaucoup moins sorti. Devant la crise du cinéma qui sévit dans notre pays, Le Havre est l'une des villes les plus touchées. Les salles ferment, les unes après les autres. Devant cette hécatombe, certains se mobilisent et partent en guerre afin que jamais ne s'envole le 7e art au Havre. Une amie a écrit un jour « La vie est comme un long film dont on ne se souvient pas du début et dont on ne connaît pas la fin. » Je cherche encore aujourd'hui une réponse dans les salles obscures. Non pas pour trouver des souvenirs perdus, sous une mince couche de poussière, cendre du temps, rare vestige de nos rêves et de nos émotions, mais pour en créer de nouveaux. Je cherche une réponse à mon unique question : qui suis-je ? Au fil de ma vie, je le promets, je continuerai à déambuler à travers les Édens, à travers nos paradis perdus. Blanche, lumière noire, au tournant ce lieu d'un soir, scintille prudemment les cinémas de tous les temps. Océan de son rêve d'image, ses mélodies et harmonies de tous les âges, vivent et reflètent ce temps dans l'atmosphère
de la terre s'évapore tristement. Les cinémas de tous les temps, ombre claire, un arc-en-ciel, de passé l'imparfait, l'irréel. Adieu la vie, à la vie pourtant, au cinéma de tous les temps. Océan de son père d'image, ses mélodies et harmonies de tous les âges, vivent et reflètent de ce temps dans l'atmosphère. Au fond des eaux, la poésie. Harmonie de tous les âges, vivez et refaites ce temps.